Lodge, Kichisipi Anishinaabe, Ho. Le 26 juillet 1615, les Nipissings s'apprêtent à accueillir un visiteur bien spécial. Samuel de Champlain est le premier grand explorateur venu d'Europe à ne pas avoir colonisé par la conquête et la violence. Contrairement aux colons de la Nouvelle-Angleterre ou de la Nouvelle-Espagne, Champlain ne chassait pas ou ne tuait pas les habitants d'un village autochtone. Il ne mettait pas le feu aux cabanes de mes ancêtres pour y rebâtir un village européen. Il a plutôt choisi de bâtir pays aux côtés de ses premiers habitants en essayant tant bien que mal de le faire avec eux et non pas contre eux. Cette vision révolutionnaire pour l'époque marquera la culture de plus en plus métissée des pionniers canadiens-français. Règle générale, les Canadiens-français auront des relations amicales avec les Premières Nations. Les Nipissings font partie de la grande famille algonquienne. Depuis leur premier contact avec les Algonquins à Tadoussac, 12 ans plus tôt, les explorateurs français ont bien connu la culture Anishinaabe et ont même commencé à l'inclure à la leur. Les Algonquins Anishinaabe vivent surtout en petits clans de quelques dizaines de personnes dirigés par le père de famille aîné. Ce sont des nomades. Ils déplacent leur campement au rythme des saisons, en harmonie avec les cadeaux de Mère la Terre, selon le cycle de la roue médicinale. On a appris à pêcher le poisson au harpon et au filet. On a aussi appris à le sécher au lieu de le saler. On a raffolé des petits fruits du pays qu'on cueille en famille pendant l'été, dont le fameux bleuet. Quelques fruits sont consacrés aux 13 lunes, telles les fraises en juin, les framboises en juillet et les mûres au mois d'août. Les chasseurs et trappeurs aînés profitent de toutes les occasions pour enseigner aux plus jeunes de grandes valeurs, dont le respect de la vie et de la nature. Chez les Anishinaabe, comme chez tous les Autochtones, on donne une deuxième vie à toutes les parties de l'animal chassé pour honorer son sacrifice. À l'hiver, on apprécie les raquettes, le toboggan algonquin et surtout la chaleur des petites tentes en écorce nommées wigwam. Elles sont en forme de cône ou de dôme. On peut même démonter et transporter ces wigwams. Au printemps, on a appris à tailler les érables et à en extraire son eau sucrée pour la faire bouillir en sirop. On a été accueillis à bras ouverts par plusieurs tribus qui partagent la même langue, truffées de sons, tels les Wa, Si, Ma, Tu et Ni. Tous ces gens implorent Kiche Manitou, le grand esprit, et lui font des offrandes des quatre herbes sacrées. Le tabac, associé à l'Est, purifie la bouche avant de parler et aide à clarifier l'esprit lorsqu'on l'offre à Mère la Terre en le déposant, par exemple, au pied d'un arbre. La sauge, associée au sud, réduit l'énergie négative. On la brûle pendant les cérémonies de purification, connues comme des smudges. La fumée de la sauge monte directement vers le Créateur. Le cèdre, associé à l'ouest, offre de la protection. Il est idéal pour partir un feu et on en fabrique de puissantes tisanes pour guérir. Et enfin, le foin d'odeur, associé au nord, amène de l'énergie positive par son parfum. Quand on le tresse, le foin d'odeur nous enseigne la bonté, car il plie sans se briser. On a délaissé la barque pour se promener avec le moyen le plus rapide, le canot d'écorce de bouleau. Toute la famille Anishinaabe voyage ensemble, et c'est la femme algonquine qui partage canot et ballot, alors que les hommes protègent le clan. Thank you.
Depuis l'époque de Champlain et d'Étienne Brûlé, les Premières Nations, tels les Ojibwés et même mes ancêtres Nipissing, continuent à accueillir chaleureusement leurs visiteurs sur leur territoire ancestral. On cherche à retrouver l'équilibre nécessaire pour cohabiter ensemble dans le respect de nos différences, le respect de Mère la Terre et l'appréciation de nos ressemblances. On se découvre, on s'apprivoise, on apprend la langue de l'autre et on apprend de mieux en mieux à se connaître. Chez les Canadiens d'aujourd'hui, l'amour des grands espaces et des merveilles de la nature prend sa source à même les jeunes femmes du pays qui ont ouvert leur cœur aux étrangers qui avaient l'esprit ouvert. C'est ainsi que depuis 400 ans, des peuples étrangers ont enrichi ici leur avenir en formant avec les gens du pays un nouveau monde. Pendant ce séjour et ce repos au Nipissing, Samuel de Champlain constate que, contrairement au dire de Tessouat, les Nipissing ne sont pas de dangereux sorciers. Au contraire, ce peuple de l'eau peu profonde est plutôt très accueillant et doté de bons guérisseurs. Les Nipissing nous firent bonne réception. Ils prenaient la peine d'aller pêcher et chasser pour nous traiter le plus délicatement qu'ils pouvaient. L'habit de ces peuples ne diffère en rien de celui des Montagnais et des Algonquins. D'ailleurs, on attribue aux Nipissing l'invention du canot d'écorce de bouleau. Environ 700 âmes vivent dans cette bourgade. En discutant, Champlain apprend que les Nipissing voyagent jusqu'au Sault Sainte-Marie. Ils y troquent les produits européens qu'ils ont reçus avec des nations qui viennent d'aussi loin que les lacs Michigan et Supérieur. Ils confirment un fait important pour Champlain. À l'occasion, les Nipissing voyagent par la rivière aux Esturgeons, près de Sturgeon Falls, pour se rendre jusqu'à la fameuse mer du Nord, la baie d'Hudson. En fin de compte, le mensonge de Nicolas de Vigneault était bourré de vérité. Ces Anishinaabe voyagent véritablement vers la mer du Nord. Nicolas, y aurait-il été? Lors de cette fête à la Belle Étoile, Champlain recommence encore plus à rêver. De nos jours, tout autour du lac Nipissing, on retrouve des communautés réservées aux Autochtones. Quand on roule en voiture entre North Bay et Sturgeon Falls, on traverse justement la réserve d'une partie de mes ancêtres, la Première Nation Nipissing. À Garden Village, de fiers aînés tels Virginia Goulet perpétuent la tradition orale. Virginia a le devoir de raconter les légendes de nos ancêtres sans en changer un seul mot. George Cucci, un policier à la retraite, s'est donné comme mission de vie de faire redécouvrir la culture traditionnelle aux jeunes de la communauté. Une nouvelle génération peut maintenant grandir avec une fierté qui a été enlevée à leurs grands-parents. Ainsi, Blair Bocage porte en lui l'esprit de ses ancêtres qu'il fait résonner à pleine voix. Des jeunes dynamiques tels Andrea Goulet peuvent célébrer ouvertement leur fierté d'être Anishinaabe. On peut enfin partager plein de traditions sans se cacher, comme nous le démontre la talentueuse Zoé McLeod. 400 ans après Champlain, on fait redécouvrir les coutumes du pays en faisant le tour des écoles grâce à de fiers parents métis tels Chantal Vézina. C'est aussi le cas pour Bob Desbiens de Verner, un fier métis et trappeur authentique. Mais comment se fait-il que trop de gens des générations précédentes aient perdu leur fierté d'être autochtones? Comme plusieurs Premières Nations au pays, l'univers de mes ancêtres algonquins Anishinaabe a été chambardé encore plus fort à partir des années 1850 et avec l'arrivée de la Confédération. Le gouvernement du régime britannique a créé la loi sur les Indiens. Cette loi raciste a engendré toute une série de problèmes territoriaux, ethniques et sociaux.
On a chassé mes ancêtres de leurs terres et on les a mis en conserve sur des réserves en limitant leur droit de travailler. Et on a même créé des pensionnats pour Indiens où on arrachait de force nos enfants Anishinaabe ou Iroquois pour les sauver, pour les assimiler et pour tuer l'Indien au cœur de l'enfant. Les pensionnats pour Indiens. Quelle honte. C'est en plein pour des raisons comme celle-là que mon père Buddy s'est sauvé de l'Afrique. Les pensionnats pour Indiens, c'était des écoles spéciales que le gouvernement du Canada a créées à l'époque de la Confédération pour empêcher les Indiens d'être des Indiens. Quand on est allé faire un spectacle à Timmins avec la troupe de l'Écho d'un peuple, j'ai eu l'honneur de rencontrer une femme exceptionnelle, Micheline Boisvert. Comme 150 000 autres autochtones au pays, Micheline était toute petite quand elle s'est faite enlever de sa maison et placée dans un pensionnat pour Indiens. Elle n'avait plus le droit de parler la langue de ses ancêtres algonquins. On lui a coupé les cheveux. On a brûlé ses habits traditionnels. Il fallait qu'elle oublie et renie toute sa culture autochtone pour devenir une bonne petite Canadienne. Comme l'ensemble des autres enfants autochtones, elle a été privée de nourriture et punie avec violence. Micheline avait 15 ans lorsqu'elle est sortie de ce camp de concentration culturelle. Elle était complètement perdue, complètement perturbée. Et savez-vous quoi? Cette histoire-là, ça s'est passé ici, chez nous, au Canada. Et savez-vous quand le dernier pensionnat pour Indiens a fermé ses portes? En 1996. Quand Micheline nous a conté son histoire, on avait tous les larmes aux yeux puis des frissons dans le dos. Je ne sais pas comment, mais cette femme incroyable a trouvé le courage de se relever. Par la suite, elle et son mari ont décidé d'ouvrir les portes de leur petite maison à Chapleau, dans le nord de l'Ontario. Micheline et Claude ont accueilli et élevé 49 enfants. Ils ont donné plein d'amour à tous ces enfants orphelins ou dans le besoin. Ce qu'ils leur ont donné, c'est une nouvelle vie. Le 29 juillet, après s'être reposé deux jours chez les Nipissing, l'équipage descend maintenant ce qu'on surnommera la rivière des Français. Cette rivière, à l'époque, faisait partie de l'équivalent de l'autoroute transcanadienne. La rivière des Français est vive et dangereuse. On doit pagayer avec force pour éviter que le canot se fracasse sur les parois rocheuses et entreprendre de périlleux portages. Nous fîmes par celle-ci quelques 35 lieues et descendîmes par plusieurs petits sauts, tant par terre que par eau. Nos sauvages allèrent prendre des citrouilles qui nous semblèrent bonnes. Les bleuets et framboises ne nous manquèrent en aucune façon, car autrement, nous eussions été en danger d'avoir de la nécessité. De nos jours encore, la fameuse rivière des Français demeure un lieu légendaire et mythique. L'amitié entre milliers de voyageurs autochtones et francophones s'y est tissée à chaque coup de pagaie. Tout au long de la descente, Champlain s'imagine tout le territoire au nord de la rivière des Français et ses richesses, telles les mines de cuivre dont on lui a parlé. Il rêve aussi au jour où il reviendra y bâtir pays. Ici, dans le nord de cette rivière légendaire, on construira de nombreux villages francophones tels Ouellette, Alban, Monetteville ou Noëlville. Au nord de notre vie, 400 ans plus tard, on retrouvera un peu plus au nord une grande concentration de Franco-Ontariens qui marqueront la culture ontaroise. C'est le Grand Sudbury qui verra naître la célèbre Nuit sur l'Étang, le Théâtre du Nouvel Ontario et le drapeau franco-ontarien. De fiers métis, tels Melissa Rose White, chanteront la fierté de leurs origines. Voilà un peu plus d'une centaine d'années, des mineurs venus de plein de pays sont venus y enraciner l'avenir de leur famille en creusant le roc de ce nouvel Ontario.
le 21 juin, lors de la Journée nationale des Autochtones, on organise à Sudbury, comme partout au pays, de grandes célébrations pour partager la culture de mes ancêtres. Des leaders métis et franco-ontariens témoignent de leur fierté en rêvant d'améliorer eux aussi leur nouveau monde. C'est le cas, par exemple, de la jeune Mélanie Rose Frappier, devenue une ambassadrice inspirante, reconnue à travers le pays, ou encore des artistes et artisans de cette région qui ont créé le superbe spectacle Canada 1534. Tel qu'on peut le découvrir par les œuvres de jeunes artistes inspirés par leurs aînés, les Autochtones sont plus que jamais des modèles d'inspiration pour une nouvelle génération fière et métissée. Nos cultures franco-ontariennes et canadiennes ne seraient vraiment pas les mêmes sans leur immense contribution. Ici, dans le Nord, l'écho de Champlain résonnera avec force dans les nombreux villages et visages du Nord ontarien, où même les anglophones apprendront la langue de Molière pour s'amouracher de leurs voisins francophones. Un jour, j'irai dans le Nord. On se vend rêver Champlain et Étienne Brûlé. Et comme chaque coup de pagaie sur la rivière des Français, l'écho de leur fierté retentira avec puissance dans ce pays boréal. Autour du lac supérieur, de Sault-Sainte-Marie, jusqu'à Thunder Bay. Et jusqu'à Timmins, où on bâtira une communauté en or. Plusieurs artistes feront retentir la fierté du Nord, tel le groupe En Bref, Steph Pocket et la talentueuse Céleste Lévy. Cette fierté résonnera au pays des géants de la forêt et au royaume des épinettes, dans plein de villages francophones, tels Fauquier, Dubreuilville, Opassatica, Long-Lac, ou encore au cœur d'irréductibles communautés telles Hearst et Kapuskasing, là où les héritiers de Champlain célèbrent leur fierté lors de la fête de la Saint-Jean. Le soleil se lève au nord. Pourquoi pas? Pendant un siècle et demi après Champlain, de jeunes explorateurs continueront encore à chercher une route vers la Chine, direction nord-ouest. C'est le cas des jeunes frères de la Vérendrye qui, à partir du fort Kaministiquia, à la tête du lac supérieur, repousseront les frontières de la Nouvelle-France jusqu'aux Rocheuses. C'est en l'honneur de ces jeunes rêveurs que l'école secondaire française à Thunder Bay porte le nom de la Vérendrye. 400 ans après Champlain, des gens passionnés comme lui continuent de faire découvrir la beauté de leur coin de pays, tels André et Éliane Bernier à Smooth Rock Falls, avec les expéditions Aventure l'Esprit du Nord. Ici, dans le Nord. Le Nord! Puis le Grand Nord, le vrai! En Ontario, les routes s'arrêtent à la moitié de notre province. Il y a pourtant plein de petites communautés autochtones qui habitent toujours l'autre moitié de l'Ontario, plus au nord. Même après 400 ans, l'ensemble des Ontariens ne connaissent pas plus ce territoire immense que Samuel de Champlain lui-même. Chez nous, ma mère Hélène a toujours eu des chiens huskies, puis je savais pas pourquoi. Mais en lui posant des questions, j'ai commencé à découvrir plein de choses sur elle, puis sur moi. À l'âge de 9 ans, ma mère a vécu pendant un an à Moussigny, chez les Cris de la baie James. Ensuite, lorsqu'elle était étudiante, un peu pour reconnecter avec la culture de nos ancêtres Anishinaabe, ma mère est allée vivre parmi les Ojibwés et les Cris sur les réserves Webeki et Deer Lake dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle ne pouvait s'y rendre qu'en avion. Depuis toujours, certaines familles Cree ont appris à vivre sans eau courante ni électricité, en harmonie totale avec la nature. Ma mère Hélène a même passé un an parmi les Inuits au nord de la baie du Thon. Son poste de jeune directrice des loisirs lui a permis de visiter plusieurs villages Inuits dans les territoires du nord-ouest. Ma mère aime beaucoup les jeux traditionnels qu'on lui a fait découvrir. Plusieurs jeux font appel à une valeur importante des Autochtones, la coopération.
elle a aussi compris que pour braver les hivers, les Inuits ont appris à bien rire. Comme Makoko Manae et comme Champlain, ma mère aime bien dessiner et peindre des toiles. C'est d'elle que j'ai hérité cette passion et ce talent. Dans le fond, tout commence à avoir plus de sens pour moi. Les murs de notre maison sont peut-être la galerie des visions et des songes de nos ancêtres. Rendu à l'embouchure de la rivière des Français, l'équipage de Champlain rencontre 300 Autochtones aux cheveux relevés. C'est la tribu Andatawat, les Outaouais. Ceux-ci sont parentés aux Ojibwés. Impressionnant, Champlain a sorti sa tablette et commencé à dessiner quatre d'entre eux. Ces Algonquins Hurons habitent la région allant de la péninsule du lac Michigan, passant par le sud du lac Supérieur, jusqu'à l'île Manitoulin, l'île du Grand Manitou. Ils étaient venus en ce lieu pour faire sécherie de ce fruit bleuet, pour leur servir de manne en hiver et lorsqu'ils ne trouvent plus rien. 400 ans plus tard, à l'île Manitoulin, on organise toujours chaque été de grands pow-wow. Les gens de tous les peuples sont les bienvenus à vivre ce grand partage. Les canotiers sont arrivés à une immense étendue d'eau. Champlain est heureux d'être enfin parvenu à cette fameuse mer de l'Ouest dont on lui a tant parlé. Fort abondant en très bons poissons, des truites monstrueusement grandes, de 4 pieds et demi, des brochets, et une manière d'esturgeon, poisson fort grand et d'une merveilleuse bonté. Champlain goûte alors l'eau de cette mer et il reste bouche bée. L'eau n'est pas salée. Donc, ce n'est pas la mer qui mène vers la Chine. En réalité, on est sur la baie géorgienne du Grand Lac Huron. À cause de la grande étendue de celui-ci, je l'ai nommé la mer douce. À partir de ce moment, il semble que l'ambition de Champlain de trouver un passage vers les richesses de l'Asie se soit transformée. Pagayant vers l'horizon inconnu, un autre rêve se dessine en lui. L'Acadie à la mer vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. L'Acadie sans en ce pays, toi le rêveur plus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, montant ensemble la grande rivière. Vivant